Et hop, re-salut. Donc, je vous montrer quelques petits secrets. Je vous dis, c'est une vraie balade, hein, cette vidéo. Merde, je me cours de. Voilà, si on plonge ici, on tombe ici. Ce qui est très débile de faire ça, puisqu'on est obligé de remonter. Enfin bon. Pour une graine gacha, voilà. Et on se retrouve. Ici, vous reconnaissez peut-être, c'est pas loin du deuxième donjon qui se trouve ici, voilà. Mais bon, heureusement qu'on a, hop, notre popoche à gris-graines. Donc on remonte ici, voilà. Quand je pense que je fais peut-être ça pour rien parce que je vais peut-être refaire la vidéo à cause du son. Enfin bon, j'aurai vos avis. Hein. Donc voilà, je sais pas si vous avez suivi, je suis rentré dans l'eau en plongeant là où m'avait dit le maître plongeur, voilà. Et on va bientôt obtenir la troisième saison. Et faire l'étape la plus chiante du jeu. Parce que voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà mouche. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On voit ce qu'il nous dit. Bon, en fait ces fleurs, il faut être au printemps. Donc vous avez compris, on va chercher le printemps là. On peut aussi aller dans la grotte en bas à gauche. En bas à gauche. À gauche là. Bon, mais il faut être en hiver et ça sert à strictement à rien. Il y a une fée dedans. On s'en fout. C'est juste pour reprendre la vie. Et là, voilà. On est au Subrosia. Et après, à peine on arrive, hop. On nous chouvre notre plume. C'est marrant d'ailleurs, elle flotte. Voilà, il s'emmerde pas. Hein. J'adore ce genre de raquette, moi. Ouais. On te fonce dessus, on te vole ton truc, et après on dit oh excuse-moi tiens prends une pierre. Donc là, bien sûr faut récupérer la plume. Il dit ça alors qu'on est juste devant eux, mais bon. Et là ça va faire comme avec Rosa la première fois qu'on l'a vu. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il nous voit. Alors j'espère que je vais pas me louper. Hein. Parce qu'on recommence du début hein, sinon. Pas plus dur, c'est juste plus long. Tu vois la forme de ces trucs. On voit des espèces de. Oh, putain. On change d'écran en plein milieu, on recommence du début aussi. Merde. D'ailleurs, vous avez jamais vu ce que ça fait si on se fait prendre, mais bon. C'est juste qu'ils disent vite, il y a quelqu'un qui nous voit et hop, on recommence du début. Puis essayez chez vous, hein, vous verrez. Enfin, chez vous. Sur un émulateur, bien sûr. Enfin bon. Ou acheter le jeu si vous arrivez à le trouver. Voilà, plus qu'un écran. Tiens, j'ai jamais essayé. Qu'est-ce que ça va être si je fais ça? Parce que là, c'est là où ils vont enterrer la plume. Il faut bien se mettre en haut. Voilà. Et nous voilà avec notre plume. Il n'y aura plus jamais de phase de ce genre. Par contre, enfin si. Enfin dans l'aventure il n'y en aura plus, mais si on veut on peut revenir et refaire le truc.
Il réenterre d'autres trucs, etc. Bon, comme ça, ouais, tiens. Comme ça, vous allez voir ce que ça fait son nouveau. Hein. Pour prouver que je dis pas des conneries. Hein. Voilà. Et ça recommence après. Bon. Alors, où est-on là? Bon, là, on va y revenir plus tard dans le jeu. Pour l'instant, ça sert à rien. J'adore la musique là. Donc, c'était juste pour vous montrer un truc en fait. Voilà, on abaisse la manette. Et ça mène au village Auron. Vous allez voir. Voilà. Enfin bon, c'est pas le moment, on s'en fout pour l'instant. Donc là à droite il y a un bateau, etc. Mais ça vous verrez, c'est beaucoup plus tard. C'est pour un autre donjon, donc on s'en fout. On va pas perdre de temps non plus. Est-ce que je mets bombes à fond cette fois? Putain, j'en ai zéro. Ah mais oui, ils m'ont pris les bombes, les cons là. Les sales gosses. Ah, c'est chiant ça. J'adore. Putain, je sais pas si vous étiez au courant, mais on peut sauter deux cases avec la plume. Bon, c'est de la chance, mais on peut. Donc on n'est pas obligé de passer par le tunnel là pour y aller. Vous allez voir, c'est assez chaud, faut sauter au dernier moment. Je sais pas si c'est un bug ou... S'ils ont pas prévu le truc, mais... Voilà, mais on peut sauter deux cases, hein, je vous jure. J'essaye quelques fois, mais si j'arrive pas... Tiens, là, c'est bizarre, j'arrive pas. Bon, ouais, faut prendre plus d'élan, à mon avis. Quoique là, il y a peut-être trois cases, en fait. Non, deux. Enfin, j'aurai l'occasion de vous le remontrer. Voilà, c'est ici que... Ah. C'est ici qu'il y a un truc en bas. Et c'est pour ça que dans le donjon, je me suis gouré. Enfin bon. Et voilà, on apparaît ici. Ah bah non, je suis con, en fait, on est obligé de passer par là. Sinon, on n'apparaît pas. Enfin bon, cherchez pas à comprendre ce que je dis. C'est dans ma tête, voilà. C'est un délire. Bon. Je trouve que c'est bien trouvé le truc de mettre une couleur comme ça sur les écritures. Et voilà. On a le printemps. Alors, allez hop, on revient. Oui, c'était du rapide. Mais en fait, je suis vraiment trop con. Je suis vraiment en attardé quand même. Pourquoi, comme un con, j'ai pas utilisé les graines Pégase? Je suis vraiment. Complètement con. Oui, là on peut passer avec les graines Pégase en fait. Parce que si on court plus vite, on saute plus loin. Voilà. Du coup là il y a. Ouais, c'est ça, il y a le truc. Mais comme j'ai pas toutes mes bombes. Ah bah tiens. Donc lui il s'imagine même pas comment on va de l'arnaquer là. Là il me faut toutes nos bombes donc on peut pas. Là, on l'a bien arnaqué parce que les comment la carte de membre ça sert à avoir les meilleurs objets du magasin de la boutique de Auron.
Enfin, vous verrez quand j'y serai, parce que ça pour 5 minerais, ça c'est de l'affaire. Voilà. Donc, du coup, maintenant, il faut utiliser. Le printemps. Et là, je pourrais faire 3 vidéos à me balader, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Mais je vais pas le faire, parce que voilà. Mon but c'est de finir le jeu en Wuxu, c'est pas de récupérer tout ce qui bouge. Hein. Mais sachez qu'on peut faire plein de trucs. Mais que je le ferai plus tard. Bon, j'ai fait une connerie, demi-tour. J'ai oublié de prendre les bananes de... Mais putain, mais je suis vraiment con. Bon, je vais me calmer. Voilà, maintenant, on peut passer par là. Alors la cocotte, là, c'est assez chiant sur l'émulateur. Il faut faire AB, AB comme un fou. Bon, là, déjà, c'est foutu. Je me suis pris trop tard. On va faire comme ça, AB, AB, AB comme un fou. Ah bah non, c'est bon. Et du coup, voilà. Mais quand on est sur le clavier, voilà, c'est pas facile. Vu que j'ai une manette, moi ça va. Non mais franchement, lamentable. Mais putain, mais... Je suis attardé là. Mais putain, mais c'est pas vrai, je me dis. Me faites pas chier, mais oh. Saloperie, hein. Une fois je suis mort. Franchement crever comme ça, mais c'est complètement... Ça sera ma première mort, elle est ultra débile, mais c'est pas grave. J'ai survécu à des boss, tout ça, et je vais crever comme ça. Enfin, je suis pas encore mort, mais à mon avis c'est pour dans pas longtemps là. Non, ça sert à rien. Bah là ça tombe bien, je vais crever. Et cette fois j'en suis sûr. Là je suis obligé de crever, sérieux. Voilà, ça fait tomber un anneau. Faut se dépêcher après. D'accord. Bon ben voilà, première mort. J'aurais espéré mieux, mais... On peut pas avoir tout ce qu'on veut. Hein. J'ai jamais vu une façon de crever aussi conne, mais... C'est chaud quand même. Et voilà l'anneau. Après on a plus qu'à tomber pour se retrouver au début de la salle. Putain, j'ai crevé deux fois de suite. Enfin bon. Surtout que là avec mouche, j'ai crevé parce que je déteste les phases de trucs avec mouche. Donc je vais vous montrer ce qu'il fait en fait. Il peut faire ça, voilà. Volé. Mais là ça a l'air facile comme ça, mais en fait faut bourriner comme un fou quoi. Sinon il tombe. Et quand on laisse appuyer, voilà. Il charge et on relâche, bam. Enfin, vous avez compris quoi. Je prends là un petit détail. Vous allez voir. Hop, on leur renvoie. Voilà, il nous dit où est la serrure. Et l'autre qui est ici, l'autre peste mojo là. Lui là, il nous dit où est la clé. On s'en fout parce qu'on le sait de toute façon. Donc c'est marrant, il peut même casser la neige. Hein. Voilà. Et voilà la fameuse phase. Ouais, génial là. Il faut pas toucher les bords, sinon on tombe. Ça a l'air facile, mais franchement, essayez quoi. Je fais ça comme ça, si je tombe dans un trou, je reviens là en fait. Putain, comment. J'y arrive mieux que sur Game Boy Color, sérieux. Merde. Ah oh. Non. Putain, je vais recrever. Putain de merde. Saloperie.
Je vous jure, c'est pas si facile que ça. Non, mais... Putain, j'ai pas crevé là. Putain, je suis vraiment un blaireau. Bon, bah, je vais crever. Bon, même... De toute façon, j'ai crevé, mais... Au moins, je serais pas mort. Comme ça. Enfin, j'aurais la clé, quoi. Pour le demi-tour, ça va être moins drôle. Mort. Lamentable. Bon, ben voilà, j'ai la clé. Hein. Putain, la honte. Mais le truc, c'est que là, la quête des objets... les objets à échanger. Il y a pas mal de trucs à faire, alors je vais le faire maintenant. Ça risque de déborder sur la vidéo suivante, mais c'est pas grave. Ah bah tiens. Ça faisait longtemps. Un anneau. Putain, elle l'aura pas cette fois. Mais putain, mais c'est impossible de l'attraper. Je te jure, t'auras rien du tout. Tiens, mange, mange. Putain, mais je voulais l'anneau, moi. Elle peut prendre ce qu'elle veut, moins qu'elle prend pas l'anneau, sérieux. Donc là, une petite bombe. Voilà. Et on se retrouve où, déjà? Ah, je crois qu'il y a un truc, mais on peut... Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Donc là, il y a rien. Et là, vous voyez, à gauche, faut... tomber là, vous allez voir comment on fait. Putain, mais casse-toi. Putain, mais c'est pas vrai. Hein. Voilà. Donc là, il y a des monstres assez chiants. Ils sont chauds à tuer, hein, je vous le dis. Hein ? Oh putain ! Attention, là. Non, je vais me calmer. Du calme. Putain, mais pourquoi j'utilise pas le boomerang, moi, je vais faire de la merde. Vas-y, tiens, tiens. Ah, c'est moins marrant, là. Hein. Saloperie. Voilà, et si on tombe, vous allez voir à quoi ça sert. Un goron. Et voilà, boîte à anneau niveau 2. Maintenant on peut emporter 3 à la fois. Enfin on peut emporter 3 mais on peut pas activer les 3 en même temps. Donc on a qu'un seul effet. Voilà. Bon là, je crois que ça a débordé sur la vidéo suivante, hein, la quête. Oula, je vais être pourri de fric là. Ouais, la prochaine vidéo, ça va être de la balade aussi. Donc si cette vidéo vous a ennuyé, la prochaine aussi. Hein. Je sais que c'est con de dire ça, mais c'est vrai. Donc là, on va pas descendre tout de suite. Bon, ben, on va se quitter, puis on se retrouve à la prochaine. Donc on va faire la quête des échanges d'objets. Et le truc pour aller au donjon 4. Ouais, 4. Donc voilà, salut.